15 novembre 2019, Journée nationale de la paix. Une 23e édition placée sous le sceau de l'unité et de la cohésion sociale. À l'occasion, le maire de la commune d'Atekoubé rencontre autorités administratives, coutumières et religieuses. Il les appelle à être des artisans de paix autour du développement de la cité. Sensibilisation à vivre en harmonie et surtout dans un environnement sain. La protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique au cœur de la célébration. Le maire d'Atekoubé donne le ton en contribuant à l'opération Un jour, un million d'arbres sur le territoire national. La paix, c'est comme l'arbre qu'on se mettait de planter. Si on ne l'arrose pas d'amour, de partage et de solidarité, ça ne peut pas grandir. Si vous voulez construire la paix et que vous ne posez pas des petits actes, il faut que les gens s'entendent ou qu'il faut que les gens se pardonnent. Et en même temps, c'est parce qu'on aura pardonné dans nos différents cœurs qu'on n'aura pas peur des uns et des autres. Paulin-Claude Danho a également participé au planting d'arbres dans la commune de Yopougon et dans le village d'Embimpe.